Tous. Plutôt bonsoir. Alors, c'est bon. Alors, est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Ça a l'air de marcher. Parfait. Je vous attends. Bon, ça y est, du monde qui arrive. Bon, ça a l'air pas mal. Salut Cécile, salut Elodie. Alors, commencez à m'équiper. J'attends que tout le monde soit là. Je vous explique un petit peu le matériel dont vous aurez besoin. Alors, ça y est, le monde commence à arriver. Bon, c'est pas mal. Bon, pour ceux qui sont déjà là, vous pouvez prendre soit deux bouteilles d'eau, soit deux boîtes de conserve. Essayez de ne pas dépasser. En tout cas, dans le poids, les 2 kilos. Par bras, hein, bien sûr. Essayez de ne pas dépasser les 2 kilos, ce sera déjà largement suffisant pour ce qu'on va travailler ce soir. Et puis, bien sûr, bon, moi, je suis en train de me mettre des petites laisses au niveau des chevilles. Alors, ceux qui veulent faire des laisses maison, vous pouvez. Alors c'est si vous allez me prendre deux boîtes de conserve ou pareil deux bouteilles d'eau, deux petites bouteilles d'eau, ce sera mieux. Et vous vous entourez avec du scotch. Ça peut se faire. C'est bon. Vous n'êtes pas obligé pour ce soir. Hein. Je ne vous ai pas trop prévenu à l'avance pour ça. On a déjà de quoi faire, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment pour ceux qui veulent absolument. Donc ce soir, comme cours, bah Lou, t'as pas regardé le poste que j'ai mis, hein. Ce soir, le cours, c'est un cours de cardio boxe. Voilà, boxing. Non, j'ai pas mis forcément le pull pour ça. Mais... Et puis, du coup, la petite surprise, c'est que je vais pas être tout seul à faire le cours ce soir. Parce que je me suis dit, ça va être compliqué, je vais pas tenir physiquement. Donc, il faut que j'ai un soutien moral. Donc, du coup, bah, j'ai une adhérente qui a réussi à rentrer dans le club, qui a forcé les portes du club. Ben, montre-toi, adhérente. C'est une adhérente que vous ne connaissez, je pense pas. Ah, ben, c'est pas. Bonsoir tout le monde. Ah, ben, si, en Je suis fait. pas une Ah, adhérente. si, en fait, ben, du coup, vous la connaissez, merde. Bon, ben, voilà. Voilà, je ferai le cours avec Carla ce soir. On s'est dit, on va se donner de la force à deux, en ce moment. Voilà. Donc, je répète. Et après, on est parti sur la séance. Nous, on prend deux petits poids de 2 kilos. Vous pouvez prendre deux bouteilles d'eau, peu importe, deux boîtes de conserve, ce que vous voulez. Et puis voilà. Comment ça va se passer? Ben, ceux qui ont l'habitude du cardio box, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va avoir quatre chansons. Okay, on va travailler sur des enchaînements de boxe. On va beaucoup tout travailler ce soir. Il n'y aura pas que le haut du corps, il y aura aussi le bas. Quatre chansons. À chaque fin de chanson, on fait 1 minute où on travaille un peu plus fort sur les abdos. Ok? Voilà, 4 fois. Et puis la cinquième chanson, je vais voir, on verra en fonction de l'état dans lequel on est. Soit on se fait un spécial abdo, soit on se refera une dernière chanson de boxe. Donc voilà. Je sais pas si vous avez entendu, il y a une sorte de sirène au fond. Bref, c'est les patrons qui. Bref. Bon, on va passer. Bon! Du cool! Du cool! Du coup! Vous êtes prêts? J'espère.
On va partir. Donc, peut-être aussi un tapis, vous pouvez avoir besoin. Et c'est le top départ! Alors, c'était Gilles qui lançait le cours. Donc, du coup, il va falloir qu'on y aille parce qu'il est comme 19h05 et là, du coup, je suis en retard. Vous avez dit que j'allais pas être souvent en avance. Allez, en place, on est parti pour un échauffement. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre vos points pour l'échauffement. Allez, let's go! Welcome to Radical Fitness. Okay. Bien. On est parti. Faut venir avec moi parce que je vais bien prendre la caméra de feu pour voir. Je vais mettre derrière moi. Voilà, comme ça c'est bien du plongeant derrière nous. On est pas mal ce soir. Ok, on va se créer, on va grandir. On va aller chercher loin dans l'eau. Ça fait fort quand même. Non, oui, je... On souffle, voilà. Verrou un peu les épaules. On récupère derrière. On ouvre les épaules. On sort les bras, j'arrive. Voilà. On relâche. On relâche. On écarte les jambes plus larges que les hanches. Et ici, on vient toucher les pointes de pied. Allez. On étire un petit peu l'arrière des jambes à chaque fois qu'on touche. Et pas de dos rond, hein. Essayez toujours d'avoir un dos plat. Allez. Encore. Pivotez bien le haut du corps. Allez. 4. 3. 2. Ok, on écarte plus. Et là, on va chercher des petites flexions latérales. Hop. Voilà. Tranquillement, on va chercher trop bas sur les premières amplitudes. On va étirer un peu l'intérieur de jambes et on va activer un peu plus les cuisses. Allez. Ok, les deux jambes stables. On vient toucher le sol. Et on monte, on touche le sol et on monte, jambes tendues. Ici, dos à plat et je me manque. Allez, on chauffe bien son dos. Encore une fois, inférieur, arrière des jambes. Allez. Allez, poussez fort les hanches vers l'arrière. Ok. Ici, on va faire une grande rotation vers l'avant avec les bras. C'est vachement loin, je vais me rapprocher. Je veux qu'en plus t'es plus petite que moi, mais tu vas me donner des coups là. Mais non, mais non, mais non. Changez de sens. Allez, prenez de l'amplitude, chauffez bien les épaules, ça va être important. Ok, les mains au niveau des épaules, on fait les coups sur, on met à l'avant avec les coudes. On cherche plus de vitesse. Donc on engage les abdos pour maintenir la position droite et stable. Changez de sens. Allez. Cherche toujours de l'amplitude avec ses coudes. Relâche. Ouvre et croise. Une fois le bras droit au-dessus, une fois le bras droit au-dessous. Allez, laisse la poitrine s'étirer. Inspire, souffle bien. Encore, encore. Ok, et ici, les bras fixes et on pivote que le haut du corps. On va chercher à pivoter simplement le buste. Les hanches fixes, donc tu peux écarter les jambes si besoin. Et on va commencer à travailler un peu plus fort sur les abdos là. Allez. Allez, on augmente la vitesse, on va chercher un peu moins loin. Et on serre toujours bien l'encre hein, pour retenir le mouvement. Ok, on relâche et on court sur place. Allez, on fait monter le cardio avant de partir sur la séance. Donc, c'est pas de course.
J'aimerais les voir entre chaque mouvement de boxe que je vais vous donner. Ok? Allez, montez un peu les genoux. Hop, hop. Bien lâché, quand même. Allez, on monte un peu plus les genoux. Commence cette dynamique. Bras et jambes opposés. Opposés. Oui. À ce soir, il n'y a... Y a pas d'erreur possible. Hein. Allez. Encore, encore, encore. Allez, 4. 3. 2. Et talons en fesses, allez. On essaie toujours de garder bras et jambes opposés. On n'avance pas les genoux, il reste bien sous les hanches. Allez, allez. On est souple hein, sur la plante des pieds, on va chercher un peu plus haut avec les talons. Allez. Ok, allez, petit jumping jack pour finir. On ouvre les jambes. On resserre. Je veux qu'on reste fléchi sur les jambes et on commence cette dynamique là. On resserre, on resserre. Allez, on maintient. Plus bas. Fléchis un peu plus les jambes. On arrive au bout. Et relâche. Super, bébé! Bon, du coup, ça, ça dépend. Donc, non. Ah! Bien! On va se mettre en position. Parfait! On se met avec un petit peu de lumière ce soir. Voir le côté ambiance. Bon, tout va bien. Le son marche bien. Pour l'instant, ça va normalement. Donc, vous me récupérez vos deux poids. Bouteille, ce que vous voulez. Moi, je vous dis, ne dépassez pas les 2 kilos. C'est largement suffisant. On est en place. N'hésitez pas à me faire des retours hein, s'il y a besoin. Donc, je vous rappelle. Moi et Carla, on va vous montrer en fait, moi je vous montre l'enchaînement. Avec Carla, on va imaginer qu'au milieu, on aura le sac de boxe pour ceux qui ont l'habitude du cardio boxe. Okay. Donc à chaque fois, je vous montre l'enchaînement, vous faites l'enchaînement et vous n'enchaînez pas tout le temps. C'est je fais l'enchaînement, je prends un petit temps de récup. Soit vous pouvez faire des petites courses arrière et avant si vous avez l'espace nécessaire, soit vous courez sur place. Vous adaptez par rapport à votre appartement ou votre maison. Voilà. Essayez de ne pas tout péter, c'est le but déjà quand même. Si vous êtes prêts, on est parti. Ah, t'as des poids ? Bah bien sûr. Ah oh, bah bien sûr, elle est déjà prête. Allez. Ok. La jambe gauche devant. Ici. Gauche, gauche et droite. Juste ça. Gauche, gauche et droite. C'est parti, à toi l'honneur. Voilà. Moi j'avance, gauche, gauche, droite. Allez. Gauche, gauche, droite. Bien comme ça. Gauche, gauche, droite. On stabilise un corps quand on vient sur le mouvement. Gauche, gauche, droite. Allez. Ici, gauche, gauche. Allonge bien le bras droit. Allez. Gauche, gauche, droite. On maintient toujours les haltères au niveau de la poitrine. Hein. Gauche, gauche, droite. Quand on tient, on tient. Ok. Gauche, gauche, droite, gauche. Ok. Gauche, gauche, droite, gauche. Let's go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va encore venir face à moi, comme ça on verra bien. 1, 2, 3, 4. Comme ça aussi je peux forcer la tête. Non, non. Ah si. Gauche, gauche, droite, gauche. Le seul moment où vous stabilisez, c'est quand vous faites l'enchaînement. Là c'est pour que vous voyez un peu. Gauche, gauche, droite, gauche. Ok. Ici. Gauche, droite, gauche. Ok, juste ça. Gauche, droite, gauche. C'est parti. Allez. Hop, hop, hop. Petite amplitude. Voilà. 1, 2, 3. Allez, allez. 1, 2, 3. Et on descend pas les haltères, hein. On les garde toujours.
Et au niveau de la poitrine. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Gauche, droite, gauche. Ok. Ici, gauche, droite, gauche. Et droite. Gauche, droite, gauche. Et le troisième, on allonge. Let's go. Gauche, droite, gauche, droite. Donc pivote bien ce haut du corps. Gauche, droite, gauche, droite. Pivote cheville arrière et le haut du corps. Allez. Gauche, droite, gauche, droite. 1, 2, 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 4. Ouh. 1, 2, 3, boum. Allez, allez, allez. On arrive au bout. Ok. Petit temps de récup. Là, tu peux relâcher un peu. Jambe droite devant cette fois-ci. Droite, droite et gauche. On est bon? Parti. Droite, droite et gauche. Allez, droite, droite, gauche. Droite, droite, gauche. Pivote bien la cheville arrière au moment du jab gauche. Droite, droite, pivote. Pour allonger ces deux petits, le troisième j'allonge. Allez, un, deux. 1, 2, boum. 1, 2, hop. Allez, on s'accroche. Ok. Gauche, gauche, droite, droite, pardon. Gauche, droite, c'est parti. Droite, droite, gauche, droite. Allez. Ouais, j'ai un petit temps de latence, hein. Hop, hop, boum, boum. Hop, hop, boum, boum. Les deux d'après, ils sont toujours allongés, hein. C'est petit, j'allonge, j'allonge. Voilà, 1, 2, boum, boum. Allez, ça crache. Hop, hop. Ouh. 1, 2, 3, 4. Allez, on sert bien les abdos. Ici, droite, gauche, droite. Trois petits. Parti. Trois, gauche, droite. Je vais de la vitesse, je vais de la vitesse. Ici, boum, boum, boum. Allez, trois petits. Allez, allez, allez. Souffle bien à chaque fois que tu viens de faire les jabs. Boum, boum, boum. Allez, 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 jusqu'au bout. Stabilise-toi, hein. Je veux ton corps dur à chaque mouvement. Droite, gauche, droite. Allez. Droite, gauche, droite. Et gauche, j'allonge. Droite, gauche, droite. Et gauche. Let's go. 1, 2, 3, j'accélère. 1, 2, 3, j'accélère. 1, 2, 3, hop et ramène. Ce n'est pas seulement on allonge le bras, hein, c'est je bouge, je ramène. Cherchez à être explosif, là. Dynamique. Droite, gauche, droite, boum, gauche. Droite, gauche, droite, boum, gauche. Allez, allez, allez. 3, 2, 1, top. Relâchez. Ok. Bon, ça commence déjà à chauffer normalement sur les épaules. Le cardio commence à monter tranquillement. Comme je vous disais, on part une minute sur les abdos là, ok? Et ensuite, on passe à la deuxième chanson. Donc, travail d'abdos. Moi et Cara, on va le faire ensemble. Le même tapis. Bon, vous, si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez le faire comme nous. Sinon, si vous êtes tout seul, vous le faites comme je vais vous montrer. Avec Carla, on va se placer en gainage. Hop. Donc gainage de base, soit sur pointe de pied, soit sur genou. Et puis à chaque fois, on va venir se taper avec la main opposée. Hop, ok? Si vous êtes à deux, vous faites la même chose que nous. Sinon, si vous êtes tout seul, vous gardez un gainage de base. Ça marche? En place. Parti. Allez. Ça, vraiment, allez. Il faut que j'y se dépêcher, hein. Eh, ne tape même pas les mains. Faut décoller, là, je crois. Non, ne rentre pas dedans, ne rentre pas dedans. Reste. Allez. Et on serre sur le ventre. On laisse pas descendre les hanches. Allez. Si c'est trop dur, tu peux aller en posant les genoux. Allez, jusqu'au bout. Pas droit. Bah ouais, mais ça l'exprimera aussi, moi. Je peux pas trop tendre. Allez. On arrive au bout. Et
dernières secondes. 8, 7, 6, allez, 5, 4, 3, 2, et un top. Bravo. Yes. Ok. Comment ça va? Bon, je commence à avoir un petit peu chaud là du coup. Je voulais faire le boxeur, mais il va falloir que j'enlève un peu. Bon, du coup, on va adapter un petit peu au niveau de la présentation. Là, on vous a montré face à face, mais on va se mettre face à vous maintenant. On va le tenter comme ça. On recherche hein, à chaque fois. C'est les premières fois, donc on cherche la meilleure option possible pour avoir le meilleur visuel possible. Et oui, c'est une démarche moving. Oui, non, c'est, voilà. C'est le polo, il fallait que je la fasse. On est parti, deuxième chanson, vous récupérez vos poids, parti. Prends tes poids. Prends tes poids. Ouais, tu m'as pris les jambes. Ok, ici, gauche, droite, gauche, kick droit, ok? Gauche, droite, gauche, kick droit, c'est parti! À toi! Approche-toi encore de moi. Gauche, droite, gauche, kick droit. On va plus loin là. Ah! Je vais aussi moi! Gauche, droite, gauche, kick droit. Voilà! 1, 2, 3, j'accélère. C'est comme si je voulais vous mettre, boum, un kick. Allez, gauche, droite, gauche, kick droit. Fort vers le plafond. Ok, gauche, droite, gauche, droite, droite. Allez, il va falloir stabiliser les abdos. Gauche, droite, gauche, droite, droite. Donc on bloque bien le genou droit. 1, 2, 3, droite, droite. Boum. Encore, encore, encore. Hop, hop, hop. Boum, boum. Pas mal, pas mal. Et on monte bien sa jambe si on est à l'aise. Hein. Laissez le haut du corps partir en arrière. Hop, hop, hop. Boum, boum. Allez, on tient, on tient, on tient. Ok, même chose. Gauche, droite, gauche. Et le kick droit ici, on va le faire en pivotant. Je pivote. Let's go. Voilà. Gauche, droite, gauche. J'engage les hanches et je pivote. Parti. Allez. Gauche, droite, gauche. Pivote la jambe d'appui. Allez. Gauche, droite, gauche. Hop. Ouh. Et on garde son équilibre. Ça part des abdos pour se stabiliser là. Allez, 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 on tient, on tient, on tient. Pivote la poitrine, hein. Même chose, mais en double. Gauche, droite, gauche, droite, droite. Vraiment de profil. Emmenez votre épaule. La gauche, droite, gauche, j'emmène les épaules. Droite, droite. Allez. En mal. Hop, hop, hop. Boum, boum. Boum. Eh, si t'es à l'aise, tu peux aller chercher de la hauteur. La gauche, droite, gauche, droite, droite. Tu peux si t'es à l'aise, hein. Boum. Gauche, droite, gauche, droite, droite. Bouillacha. Gauche, droite, gauche, droite, droite. Ok. Ouh. On inverse. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est devant. Jambe droite devant. Bon. Ouais. Ok, ici. Droite, gauche, droite, qui gauche dans le plafond. Let's go. Droite, gauche, droite, qui gauche. Droite, gauche, droite, qui gauche dans le plafond. Droite, gauche, droite. Ah oui, c'est vrai. Droite, gauche, droite, qui gauche. Oulala. Voilà. 1, 2, 3, boum. Engagez le haut du corps là. Ici, engagez le haut du corps en arrière. Engagez vos temps. Allez, allez, allez. 1, 2, 3, hop. La même chose. Et on double. On double les kicks. Droite, gauche, droite. Gauche, gauche. Let's go. Et on descend pas les haltères, hein. Elle reste au niveau de la poitrine. Allez, allez, allez. Stabilise-toi au sol quand tu viens de faire les deux kicks là. Fléchis sur la jambe d'appui.
fléchis sur ta jambe droite, là. Hop, hop. Viens, 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 viens. Droite, gauche, droite. Gauche, gauche. Ouh. Encore, encore, encore. Ok, droite, gauche, droite. Et le kick gauche suivant. Let's go. Là, je peux vous emmener. Les hanches, les épaules, on se fait pas la figure, hein. Ça va finir aux urgences ce soir. Hop. Ouh. Donc pivote bien sur ton pied droit là. Pivote. Allez. Droite, gauche, droite. Gauche. Ouh. Encore, encore. Droite, gauche, droite. Et gauche, gauche. Et gauche, gauche. Voilà, deux petits kicks. Hop, 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 stabilise. Un, deux. Et pareil, tu peux aller chercher ici, en bas, en haut, si tu as envie. Hein. En bas, en haut. Pas mal. Droite, gauche, droite. Gauche, gauche. Ouh. On arrive au bout, on arrive au bout. Restez rapide sur les tranchables. Allez. Gauche, gauche. Ouh. Relâche. Yes, I. Ok. Ah, ça va, on n'est pas trop crevé, nous. Et vous, quand vous en sortez, la forme? Allez, buvez vite, on se fait une petite séquence sur les abdos. Alors avec Carla, on va se mettre face à face. Elle va venir se mettre exactement comme moi. Bon, on n'a pas besoin de tapis, on est des warriors, on a des fesses en béton. Mais oui, on a des fesses en béton, allez, viens. Exactement comme moi. Et tu viens coller tes pieds vers les miens. Avance encore, Carla. Viens vers moi, viens par là, 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 là. Oui, non, mais t'inquiète pas, Charlie dira rien. Voilà. Ici, donc nous, on pose les plats des pieds. Le but, on appuie légèrement avec nos pieds. Et puis là, je veux qu'on monte, toucher un petit peu les chevilles ou les tibias. On déroule et on monte, on vient toucher. C'est que le buste qui vient vers les jambes. Ça marche? C'est un peu une position d'accouchement, mais oui, c'est pas mal. Oui, bah écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Ok, si vous êtes tout seul, même chose, on bloque les jambes et on vient toucher. Hop, ça marche. S'il y a les cervicales sensibles, vous me poserez les doigts derrière la tête. En place. Allez, c'est parti. On place. Allez, on monte. Et on descend. On monte, on descend. Place bien le bas du dos au sol, à chaque montée. Inspire, souffle. C'est bien parce que le rythme, ça active encore plus. Allez. Et on monte. Allez. Cherche toujours un maximum à rentrer ton nombril, à rentrer le ventre à chaque montée. Et tu lâches pas l'enfant maintenant. Voilà que je suis en train d'attirer. Allez, on s'accroche. On est au bout. Garde les lombaires, plaquez dans le sol. Et on est au bout. 4, 3, 2, 1, top. Yes. Bravo. Ça commence à chauffer sur le haut, hein, normalement des abdos. Je sais ce que vous m'avez mis, il fait chaud, c'est bien, c'est bien. Normalement il fait pas chaud dehors, donc si vous avez chaud à l'intérieur, c'est bon signe. Ah. Oui, non mais Elodie, tu sais, il faut varier, hein, l'aquaboxing c'est bien. Puis là en fait c'est une sorte d'aquaboxing dans l'air. C'est un mix des deux, mais ça marche très très bien aussi. Alors là, vous n'allez pas prendre vos poids, parce qu'on va vraiment focaliser le travail sur les jambes. Donc la séquence va être plus cardio, on va inclure quelques mouvements un peu plus musculaires. On va commencer à bosser un peu plus fort. On est bon? Allez, en place. Parti. Et si tu as monté le genou, au lieu d'être en coupe, ok? On avance. Ici, gauche-gauche et on saute droite. Let's go. Gauche-gauche et on saute droite. Gauche-gauche et on saute droite. Allez, gauche-gauche, c'est
peu là, à la kermesse là. Gauche, accélère. Et on garde les genoux. Et on garde la montée de genoux quand on fait pas l'enchaînement. Gauche, accélère tout droit. Ouh, tu peux le faire en sautant ou sinon en enchaînant sans le saut. Comme tu préfères. C'est ça. Gauche, accélère jambe droite. Ouh. Ok, gauche, droite, gauche. Là, c'est vraiment gauche, droite et gauche. C'est ça. Gauche, gauche, droite et gauche. C'est magnifique. Gauche, gauche, droite et gauche. Allez, monte, allez, monte. Gardez les genoux bien haut quand vous ne faites pas l'enchaînement. Gauche, gauche, droite, gauche. Oui, bon, le mouvement. Il n'est pas très sexy, mais très efficace. Ok, on inverse. Ici, droite-droite, pique-gauche. Droite-droite, pique-gauche. Let's go. Genou, 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 genou. Droite-droite, pique-gauche. Maintenez les genoux. Maintenez les genoux bien haut. Allez. On a fait 3 là. 1, 2, 3, 1. Allez. Elles vont au champignon car elles veulent bien faire un enchaînement. Ok. Elles vont au champignon. Droite, droite, gauche, droite. Let's go. Droite, droite, gauche, droite. Allez. Allez, c'est beau, hein. Hop, hop. Oh, c'est beau. Tiens, j'en ai vu avec les trompettes de là-bas. Ah, ça a l'air sympa ce petit coup, Emile. Allez, on tient, gardez les genoux. Droite, droite, gauche, droite. Pareil, hein, tu peux pas sauter. Ok, voilà, je vois tout. Si vous pouvez pas sauter, hein, vous le faites juste avec un enchaînement. Pas mal. Ouh. Ok, ici, on fait le jumping jack quand on a reculé. Ça marche? On est parti. Gauche, gauche, de profil. Gauche, gauche. Et droit, je pivote. Gauche, gauche. Droit, je pivote. Let's go. Voilà. Ouais. Maintenant, je veux que la poitrine, elle parte. D'un côté, pour aller de l'autre. C'est un peu plus dur. Faut que la poitrine regarde et part, là. Et hop, comme ça, on a la droite. Ah, ouh, pas mal. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça. Donc, gauche, gauche. Je pivote, j'accélère. Ouais, c'est ça. Ok, gauche-gauche, qui croit, qui croit. Attention, gauche-gauche, qui croit, qui croit. Let's go. Ok, je la remonte. Kick-gauche, kick-gauche, hop, qui croit, qui croit. Gauche-gauche, droite-droite. Et un petit saut entre. Voilà, là il faut stabiliser. Stabilise, saute, stabilise. Allez, on tient, on tient. Si c'est dur, tu me fais sans saut, là. Gauche-gauche, droite-droite. Allez. On change ici. On tourne la poitrine. Le kick droit, accélère kick gauche. Ouais. Donc, droite-droite, j'accélère en poussant sur la jambe gauche. Pas mal. C'est pareil si c'est dur, hein. Droite-droite, et ensuite le pied gauche. Tu peux faire sans saut. Ouh. Allez, faut serrer le ventre, hein. 1, 2, 3. Ouh. Ok, stabilise. Deux qui croient. Droite-droite, saute. Gauche-gauche. Ok, let's go. Droite-droite, gauche-gauche. Voilà, très bien. Droite-droite, hop, gauche-gauche. Ouh. Et le jumping jack, on n'oublie pas le jumping jack, c'est ton cul. Hop hop, hop hop. Ouf, serre, ouf, serre. Allez, droite, droite, accélère, gauche, gauche. On arrive au bout. 3, 2, 1, stop. Ouh. Ouais, le cardio, il monte. Ouh. Alors vous avez vu, sans le sac, ça demande beaucoup plus de travail sur toute la sangle abdominale pour du coup garder son équilibre et rester droit et solide pendant les kicks. Ah.
Je regarde ce que m'avait mis. Bon, ça a l'air d'aller. Ok. Les abdos pour la suite, on prend le tapis. Tu l'as mis où, le tapis? Ah, ah voilà. Ok. On est dans ce sens-là. Prêt. Et puis là, on va se mettre avec Carla. Tête contre tête, sans se toucher hein, non plus. On monte, on vient toucher la main et on vient reposer sur la hanche. Je touche au-dessus, je pose la main sur la hanche. Ça marche? Donc gainage latéral, bien le coude droit sous l'épaule droite. Ok? Bien sûr, on peut le faire sur les genoux si c'est trop dur de le faire sur les pieds. Allez, en place. Si vous êtes tout seul, vous me faites juste ici une élévation et je touche. Une élévation et je touche. Ok? Allez, en place. Voilà, on tourne 5 fois ici. Hop. Hop. Et on bouge pas, hein. On aligne le buste et les hanches. Hop. Allez, allez, on essaie de bien se stabiliser. La tête, elle ne change pas, hein. Elle est bien alignée avec la colonne. Encore. Ok, on change de côté. Allez, on bouge la gueule. On vous bouge un petit peu. Allez, ça me fait les ongles, hein. Elle me rentre dessus, je ne vais pas la place. Ok, on se prend gainage normal, on finit. Gainage normal. On se croche. 4, 3, et 2, et 1, top. Voilà, je suis tout. Bravo. Pas mal, on est pas mal du tout. Vous tenez toujours le coup? Allez, on enchaîne. Dernier morceau, puis après on se fera un petit spécial abdo. Voilà, je fais ressenti. Bon, il va falloir qu'on jump un peu maintenant. Et normalement, vous pouvez tous jumper, tous, j'en suis sûr. Si les voisins se plaignent, dites qu'ils s'adressent au moving. C'est bien, comme ça je fous plein de réclamations pour les patrons, c'est parfait. En ce moment, ils ont besoin de ça, c'est nickel. Non, je plaisante, bien sûr. Vous faites par rapport à vos conditions, à vous. En place, on récupère les deux poids pour les bras. Allez, c'est bon, t'es prête? Ouais. Ah ouais, tu mets le petit. Ah non, je fais tout le moving. Ah non, je ne l'ai pas. Ah. Ah, attendez, parce que Carla, enlève tous les habits. Non, mais... non, remets tes habits pour les gens. On ne te met pas à nu, même si c'est la dernière. On garde un semblant de professionnalisme. Parfait. On a les points. Ah, il y a les points. Oui. Allez. On travaille sur la vitesse, là. Donc ici, jambe droite devant. Jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est les petits là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tout petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Engagez le ventre. Allez, allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Hop, 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 hop. Tiens, 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 tiens. Hop, 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 hop. Même chose, 1, 2, 3, 4, 5, et la couche aux jambes pliées, go! Voilà! Elle est mignonne! Les genoux, on le monte! Qu'est-ce que c'est que cette petite trompe? Là, je veux qu'on monte les genoux! C'est pas dans vos fesses, hein! Elle est mignonne! Allez, allez! Bien, bien, bien! C'est trop mignon. Allez, on s'accroche. Ok, on reste sur le haut du corps. Droite, droite, uppercut gauche. On va chercher en bas pour remonter vers le plafond. Juste ça. Droite, droite. Voilà.
Donc, un, deux, et je vais chercher en bas. Allez, allez, allez. Un, deux, hop. Accélère la montée. C'est un, deux, j'accélère pour monter. Encore, encore. Un, deux, hop. Si on tient. Ok, un, deux, et au moment où je monte plus tard, un saut. Un saut. Voilà, donc ici, un, deux, je fléchis mes jambes et je monte le bras avec la pulsion. Elle est vraiment haut, hein. On est heureux, là, on monte son poids fièrement. Droite, droite, j'accélère, je monte. Sautez avec deux jambes, hein. Droite, droite, hop. Ok. On relâche un coup, les épaules. Jambe gauche devant. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. 5 jabs, 5 coups de poing, mais bon. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! Hop, 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 hop! Rapide, hein! N'allongez pas trop les bras. Soyez vraiment rapide sur le mouvement et engagez votre ventre. Soufflez bien à chaque fois. Allez, allez, allez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok, même chose. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et impulsion. Jambes pliées. Allez, on va rentrer nous sur ma petite petite chose. On dirait une petite fille des doigts. C'est beau, hein. Tu peux le faire. Allez, sans petite fille. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, accélère. Ouh. Et les poings ils redescendent pas, hein. Les poings ils restent au niveau de la poitrine. Ah. Allez, allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5, monte. Ok. Gauche, gauche, hyper plus droit. Let's go. Gauche, gauche, et va chercher en bas. Il va s'éveiller la cheville arrière. Gauche, accélère l'ouverture. Allez, alors tiens, stabilise ton corps. Pour ça, pour fléchir les jambes, pour être bien stable. Encore, encore, encore. Ok, gauche, gauche. Et je monte en sautant. Allez. Un, deux, hop. Tu te tapes le genou, hein. Un, deux, boum. Allez, on tient, on tient, on tient. Ouh. Gauche, gauche, plie les jambes et monte. Allez, le percute bien haut, hein. Cassez votre plafond. On arrive au bout. Ok, cœur avec moi. Ici, on bloque. Petite ligne et petite fichage. Allez, allez. Tout petit mouvement, tout petit mouvement. Et on piétine le sol. Ouh, rapide. Chut. Allez. On lâche pas, on lâche pas. Rapide. 4, 3, 2, 1. Relâche. Bravo. Ouh. Yes. Eh ben, il ne reste plus que quelques petits abdos à faire. Vous tenez? Bon, j'ai l'impression que vous vous stabilisez à 12-13 qui arrive à tenir. Il y en a un qui vient, qui s'en va, qui vient, qui s'en va. J'espère que vous n'avez pas trop de problèmes de connexion. J'espère que tout va bien. Ça dépendra aussi d'où vous êtes. Moi ici, j'ai une bonne connexion. Mais si vous avez une mauvaise là où vous êtes, il se peut que l'image, elle bloque de temps en temps. Pour ça, ben, si vraiment ça bug trop, vous arrêtez et puis vous pouvez reprendre le replay de la séance. Allez, on finit. On a 5 minutes. Travaille que sur les abdos pour finir. Ok, tapis, tu peux prendre le tien. Là, là, on va chacun prendre son tapis. Ça va être là. Il est même à côté de moi.
Ok. Je pense qu'on va essayer de se mettre comme ça. Est-ce qu'on est bien ou pas? Ouais, presque. À peine plus d'angle. Voilà. Vous avez de la chance, vous faites de la récup en plus. Hop. Yes, nickel. Allez, on est parti. Vous commencez assis. Assis. On plante les talons dans le sol. On essaye d'allonger déjà sa colonne. On va toucher cheville droite, cheville gauche et épaule. Allez, touche, épaule. Touche, épaule. Tu cherches à me faire des déhanchés à chaque fois. Là, tu viens faire une flexion latérale des hanches. Droite et gauche. Le but, c'est vraiment on met les chevilles d'un côté et de l'autre. Allez. Encore, encore, encore. Gardez ça. Gardez ça. Pour la suite, vous avez vos bouteilles d'eau normalement à côté de vous. On tient, on tient, on tient. Ok. On récupère sa bouteille d'eau. La même position, mais là, on va emmener le poing à droite, à gauche. On verrouille les bras, on verrouille les jambes et on bouge que le buste. Plus tu penches en arrière, plus c'est dur. Plus tu te redresses, plus c'est facile. Allez, droite et gauche. Oh. C'est pas bouger les jambes et les hanches. Il n'y a que votre muscle qui pivote. Serre fortement pour retenir le poids. Allez. Ok. Ici, on stabilise. On ne bouge plus. Juste cette position. Voilà, juste là. Ça marche? Je ne veux pas vous voir allonger les jambes. Fermez-vous, rentrez devant et allongez la tête vers le plafond. Allez, si c'est trop dur, tu tapes un peu plus le sol, talon droit, talon gauche, talon droit, talon gauche. Bien sûr, on tient pas ses genoux, hein, ça compte pas. Dur, dur, dur. Tenez bon. Oh là là. Ok, on termine. Ici, touche, cheville, l'intérieur de la cheville, avec la main opposée là. Donc ouvre bien ton genou, hop, hop, et garde le corps un peu penché en arrière, toujours, droite, puis gauche. Allez, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que tu pivotes la poitrine, à droite, à gauche. Bien touché l'intérieur. Allez, allez, ça tire, ça commence à faire vraiment mal. Allez, on va le bout. 3, 2, et un top. Si c'était facile, hein, je ne serais pas ça. Ouh. Ok, ici je vous montre de profil les jambes. On stabilise avec les bras. Petite poussée, on repose. Petite poussée, on repose. Ça marche, mais on ne descend pas les jambes. Allez, c'est parti. Allez, on monte. Là. Tu peux poser ta tête, relâcher tes cervicales. Et tu vas chercher avec tes pointes de pied vers le plafond. Et non pas vers l'arrière, hein. Je ne veux pas te remonter les jambes vers l'arrière. Tu les montes directement. Donc on va travailler sur des petites amplitudes là. Décolle lombaire, repose. Décolle, repose. Ouh. Souffle bien à chaque montée. Encore, encore. Ok, on bloque les jambes et on vient toucher les chevilles. Là, sur des petites amplitudes. Là, tu ne redescends pas les bras. Regarde, je veux que tu restes au-dessus. Je veux que tu restes là. Hop, hop, hop. Si c'est trop dur, tu me gardes les mains derrière la tête. Serre tes jambes. Ouh. Touche. La laisse sur nos places et touche simplement le sol. Si c'est pas les chevilles, c'est les tibias. Hein. C'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu décolles les omoplates. Ouh. Allez. Ok. On vient en gainage normal. Et là, tu vas pivoter les hanches. À droite, à gauche. Soit sur les genoux,
toi sur les pointes de pied. C'est parti. Ah, et tourne les hanches. À droite, à gauche, et tu retiens. Rentre pas les épaules, hein. Allonge toujours ta colonne. Allez, ça commence à être vraiment difficile normalement. Tu le fais bien. T'as les abdos qui chauffent fort. Accroche-toi, accroche-toi. Allez. Ok, on finit. On bloque. Gainage. Sur les genoux, j'allonge bras et jambes opposées. Bras et jambes opposées. Allez. Allez. Ne creuse pas ton dos. Cherche à t'étirer. Et bien sûr, si tu es à l'aise, t'accélères. Mais je veux pas les genoux sous les hanches. Hein. On recule bien ses genoux et on allonge. Ça marche ? Allez. Allez, on tient. Bras et jambes opposées. On est au bout. 4, 3, 2, et 1. Relâchez tout. Bravo. Yes. Ok. On va pouvoir se faire une petite détente. Ah. Oh bah, on va transpirer quand même. Ouais. Ah. Alors. Dur, mais ça fait tellement de bien. Eh bah, tant mieux, Rémi. Ah, on est bien là. Bon. Eh ben, bravo. On s'est fait 45 minutes à fond. Vous devez sentir les abdos là qui ont bien chauffé durant les derniers exercices. On termine. Un petit stretching, 5 minutes, et puis je vous laisse tranquille pour la soirée. Marche. Allez, c'est parti. Donc là, on va aller détendre le ventre justement qu'on vient de bosser, et puis aussi le dos. Donc on va se mettre en mode plage. On va poser les mains sous les épaules. Je presse avec mes mains. Ici pour décoller un peu le buste. Et je ramène. Et je repose. Je souffle bien, je relâche mes fessiers et mes jambes. Et bien sûr, vous allez à l'amplitude qui vous convient. Si vous sentez que ça vous pince un peu le bas du dos quand vous êtes tout au-dessus, c'est pas grave, vous restez plus bas. Le but, c'est de sentir l'étirement sur le ventre. Donc vous alternez, j'inspire. Je souffle, je pousse. On peut commencer à monter le menton à l'arrêt du tout, vers le haut. J'allais dire à l'arrêt, je ne sais même pas à quoi j'étais parti. Je ne sais pas, je sais pas. Des fois, mon cerveau ne communique plus avec ma bouche. Allez, une dernière fois, inspire. Souffle. Voilà. Ok. On va pouvoir venir à quatre pattes. Je te montre de profil, mais tu pourras faire. Dans l'autre sens, j'inspire pour creuser, j'expire pour arrondir. Allez, c'est parti. J'inspire, je creuse, je rapproche mes vertèbres, j'expire, j'écarte chaque vertèbre. Inspire bien. Là, on participe à relâcher son dos, étirer tous les muscles stabilisateurs de la colonne qui ont beaucoup bossé sur chaque mouvement qu'on a fait de bras. Et de jambes. Allez, inspire encore. Dernière fois. Et souffle. Super. Ok, si tu viens sur les genoux, tu les écartes un peu plus que la largeur des hanches pour la stabilité. Tu récupères cheville droite, que tu ramènes vers la fesse. Et tu laisses toute cette partie avant s'étirer. Donc avant de la cuisse. Ah. Qu'est-ce que tu manges ce soir ? Je sais pas. Et toi ? Moi, je vais faire du poisson, je crois. Poisson avec quelques petits légumes. Chou-fleur. Avec de l'eau ? Avec de l'eau. Waouh ! Le repas de fou ! Ok, repose ta cheville droite. Garde toujours le genou droit au sol. Avance ton pied gauche. Et pousse le corps vers l'avant. Pour vraiment relâcher cette fois-ci le psoas. Ah, ça ne fait pas trop rêver quand même. Parce que du poisson, du chou-fleur et de l'eau. Ouais. Non, je vais peut-être rajouter un peu de folie, genre toi du maïs. C'est dingue ça, ça c'est bien.
Et vous, vous mangez quoi ce soir? Non, vous me répondrez après. Mettez-moi vos idées de cuisine, comme ça, ça me donnera peut-être aussi moi des idées. Surtout peut-être à Carlas. Oui, ouais, surtout moi. Voilà. Relâchez. Ramenez les genoux. Écartez. Récupérez cheville gauche. Ramenez-la sur la fesse. Gardez le ventre toujours serré avec les fessiers aussi. Hein. Permet de stabiliser vos hanches et de mieux ressentir l'étirement sur l'avant de la cuisse. Ah. Tu regardes un film ce soir? Non, même pas. Même pas? Non, ça m'a claqué. Là. Ah bon, tu vas dormir direct? Ouais. Ah ouais, quand même. Relâchez. Posez votre pied droit devant. Et basculez vers l'avant. Laissez le genou gauche loin derrière. Et étirez l'avant. Ah ouais, mangez dodo. Ouais. Et vous, vous regardez quoi comme film? Non, 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 c'est chiant. Non, non, sur des tips. Ouais, non, dites pas ce que vous regardez. Quoi que si, pourquoi pas, en fait ça me donnera aussi. Ouais, ça... ouais, bah oui, si, mettez-moi les séries ou les films que vous regardez en ce moment, comme ça, là, je saurai ce que je peux regarder, ce qui m'intéresse ou pas. Bah quoi, faut participer, faut les faire participer. Attends. Relâchez, on termine sur le haut du corps. Ici, je m'avance un peu pour pas te mettre une tarte. On inspire pour pousser les doigts vers l'extérieur, non pas vers l'arrière, mais bien vers l'extérieur. J'inspire pour venir étirer la poitrine, donc je la gonfle. Et au niveau du souffle, je relâche. Je le refais une dernière fois. T'inspires. Pousse les doigts vers l'extérieur au maximum. Et souffle. Super, on termine sur les parties latérales. Je monte le bras droit. Je souffle et je bascule légèrement pour étirer le dos et les abdos. Donc je m'en grandis avec ma main. Et tu reviens, tu relâches tranquillement. Bras gauche, j'inspire. Et je souffle. Et on relâche tout. Bravo! Yes. Bien joué. Merci. Bon! Eh bien, j'espère que la séance vous aura plu. On se retrouve jeudi à 19h. J'ai pas encore réfléchi à ce que je vous ferai faire. Quelque chose d'assez sympa. Alors, Céline, alors tu vois, Céline, elle se fait des wok-nouilles chinoises. Oh, c'est trop bon, le wok. Ah oui, bah oui, mais tout le monde n'a pas d'un wok. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, merci. Avec V6S. Ah oui, ça dit quelque chose la série V6S? Ah, pas du tout. Je connais, c'est pas mal. Bon choix et bonne recette. Bon voilà, n'hésitez pas à partager les recettes ou les films, pas de problème, nous on est preneurs. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi la séance. On vous fait des gros bisous et puis écoutez, on se retrouve jeudi. Ciao.